Algérie, Tebboune dévoile la cachette des milliards, et Dabala n'exclut pas l'annulation des résultats de la présidentielle. Théboune et les milliards pieds par les corrompus. Ce n'est un secret pour personne des milliards de dollars ont été détournés par les oligarques, les ex-responsables et ex-ministres détenus actuellement à la prison des Laraches, qui ont profité de l'impunité érigée en système sous l'ère Bouteflika. Ainsi, depuis le lancement de sa campagne électorale, le candidat aux élections présidentielles contestées du 12 décembre prochain et ex-premier ministre de Bouteflika, Abdelmajid Tebboune a fait de ce sujet son cheval de bataille. En effet, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il est le seul candidat à savoir où ces milliards de dollars volés dans les caisses de l'État sont planqués, ajoutant qu'il est le seul à être capable de récupérer cet argent. Lors de sa conférence de presse organisée au Forum du Quotidien et Eliouar, Théboune affirme que cet argent se trouve dans des paradis fiscaux, mais des grosses sommes sont également placées en tant qu'investissement dans des pays étrangers, notamment aux États-Unis et en Suède. Le candidat poursuit, en assurant qu'il sait comment récupérer cet argent, mais qu'il ne compte pas rendre public cette solution pour des raisons stratégiques, selon ses dires. En effet, en manque de programme solide et convaincant à présenter aux Algériens, Théboune ne s'accroche à cet unique argument qu'il ne cesse de répéter à chaque sortie médiatique. Un journaliste l'interpelle et lui demande s'il compte, malgré tout, dévoiler cette information au prochain président, même s'il n'était pas élu. Évasif, Thébou n'évite d'y répondre, mais assure une nouvelle fois qu'il sait comment interagir avec les instances internationales, et comment piloter les procédures judiciaires pour rapatrier les fonds pillés à l'Algérie. Il affirme en outre que s'il arrive à récupérer 5 milliards de dollars, le problème des retraites en Algérie serait résolu définitivement, conclut-il. Abdallah Djabala n'exclut pas une annulation des résultats de la présidentielle. Abdallah Jabala s'est montré très critique à l'égard du processus politique en cours, estimant notamment qu'une grande partie du régime de Bouteflika est toujours en place. Selon lui, seuls des symboles politiques, militaires et financiers ont quitté le pouvoir. Dans un entretien accordé, ce dimanche 24 novembre, à Al Jazeera Net, le chef du FJD a réitéré le refus de son parti de prendre part à la prochaine élection car les conditions ne sont pas réunies. Nous avons décidé de ne pas participer car les conditions ne sont pas réunies. Les organiser de cette manière signifie une seule chose, la continuation du régime que le peuple a rejeté. Abdallah Jabala n'exclut pas une annulation des résultats de la prochaine élection présidentielle du 12 décembre du fait que le scrutin sera totalement boycotté dans quelques wilayas, notamment en Kabylie. Ce qui conduira à l'annulation des résultats et la mise en place d'une courte période de transition pour aboutir à un consensus autour d'une nouvelle démarche, a-t-il dit. Cette hypothèse est liée à la possibilité d'un boycott global de la région de la Kabylie. Si un tel événement se produit, L'intérêt de l'unité nationale m'appelle à proposer de ne pas officialiser les résultats, et d'aller vers une courte période de transition dans laquelle un dialogue global et inclusif est organisé, dans lequel les conditions nécessaires seront réunies pour permettre de répondre aux demandes du peuple, a-t-il détaillé Abdallah Djabala a critiqué, sans le citer Ali Benflis, son partenaire au sein des forces du changement. Le chef du FJD l'a accusé de ne pas avoir respecté ses engagements pris avec les autres acteurs politiques, et de s'être précipité pour prendre part à l'élection présidentielle alors que, selon lui, les conditions pour le respect de la volonté populaire ne sont pas réunies. Le pouvoir réel a réussi à diviser l'opposition et à faiblir la révolution pacifique, a expliqué Djabala, toujours en allusion à la participation de Benflis à la présidentielle. Notre position a été et demeure avec la révolution du peuple. Nous y participons et nous adoptons ces revendications, aidons à les réaliser et mettons en garde contre toute tentative de les contourner, a expliqué le chef du FJD qui exclut la possibilité d'un second tour à la présidentielle. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.